Hey! Allô, Alpha Alpha! Oh ben, allô! Comment ça va? Ben, ça va très bien! Oui, Ouh! Hey! Et puis vous à la maison, ça va bien? Ah, ça m'aurait bien allé. ben, sont où les amis? Ouais, ben présentement, ils sont à la maison, les amis, Alpha À Alpha. la maison, ils sont pas dans le téléphone! Ah! C'est un peu spécial, hein? Il nous Les voit amis, par le. est-ce que vous êtes dans un téléphone? Non, 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 pas du tout. Ils Non. sont à la maison, ils regardent par leur écran, soit les téléphones, soit les ordinateurs, les iPads. Et puis, ben, nous, on est en spectacle pour eux. Oh oui! Ben oui, c'est une autre journée super spéciale aujourd'hui. Une journée spéciale, ben, c'est-tu Noël? Hey, c'est-tu un spectacle de Noël? On va-tu fêter C'est pas Noël aujourd'hui, là. Noël Non, 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 aujourd'hui? non, non, c'est pas Noël. Mais non, 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 pas du tout, Ah! c'est pas Noël aujourd'hui. Il pleut pas. Non? Non? Ben là, attends, là, attends. C'est-tu ma fête? Oh! On veut Oh, faire des cadeaux? On va te faire un gâteau? Alpha, On va Alpha, pouvoir le manger 24? Et non, moi, non, j'adore non, non. le gâteau. Ah, nom, 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 bonne fête, Non, non, Alpha, non, non, Alpha. non, 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 Bonne fête, non, Alpha. non, Bonne fête, non, 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 non. Alpha. C'est même pas ta fête, Alpha, Alpha. Ben non, pas du tout. Pas ma fête? Ben non, aujourd'hui, on fait un Mais là. spectacle pour le département des parcs et loisirs de Côte-Saint-Luc, imagine-toi donc. Wow! Un spectacle! Ben oui! Ben là, c'est quelle sorte de spectacle? On fait un spectacle de cirque, Alpha Alpha. Un spectacle de cirque! Ben, Ben, d'ailleurs, wow! tu aimes la Ben oui, cirque? j'aime ça le cirque! T'aimes ça? Ben oui, il va y avoir des girafes! Non, 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 pas de Non, girafe, pas non. du tout. Non, 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 on fait pas de fausses idées aux amis à la maison. Alpha Ben. Alpha, j'aimerais ça faire mon numéro. Est-ce que tu aimerais ça voir mon numéro de cirque? Ben moi, j'aimerais ça avoir un numéro de cirque. Vous autres à la maison, ça vous tente-tu? Le coude de notre ami pour le high five parfait.
OK. On dit le coup. 3, 2, 1. Oh, yeah! Ben, bravo, Jérôme! Bravo! Merci, c'était super bon! Wow! Et là, Jérôme, moi, j'avais envie de faire un jeu avec les amis à la maison. Ah, c'est une très bonne idée. Il me semble qu'on a quelqu'un d'autre avec nous qui s'appelle Julie. Ben oui, bonjour Julie, ça va bien? Bonjour, ça va super, et vous? Hey, génial, salut Julie. Salut, puis Julie salut. Est là pour répondre à des questions. Oui, c'est exactement ça. Donc, si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions que vous voulez que Julie nous pose directement, donc c'est super facile, vous écrivez dans le chat et puis elle va nous poser des questions, on pourra vous répondre. Directement, live! C'est un Zoom interactif! C'est magique! Donc, avant de commencer à répondre à quelques questions, c'est le moment, on a mis dans l'événement, on avait besoin de quelque chose qui était des paires de bas roulées. À peu près la même grandeur. Donc, on va laisser une minute. Si jamais vous n'avez pas vos paires de bas, d'aller courir les chercher et revenir nous voir. Ok, là, ben moi, j'en ai pas. Ben, moi, j'en ai préparé pour toi. Ah, on a déjà préparé. Oui! Pour toi. Donc, pendant que les amis à la maison s'en vont chercher leurs bas, Julie, est-ce qu'on a des questions? Pas encore, mais je suis sûre qu'il arrive. Vraiment proche. Ils arrivent. Ils sont comme toi. Les questions vont arriver au risque de Gigi. Bon, ben nous, on va passer à l'atelier. Donc, trois paires de bas roulés. Ce qui veut dire deux bas. Une paire, c'est deux bas. Ensemble, c'est plus facile. Donc, on va mettre deux de nos paires de bas de côté. Parce qu'on va commencer juste avec une balle de jonglerie. Une balle de bas. Une balle de bas, exactement. Donc, on va commencer avec une main seulement. Et on va juste le lancer hop, et rattraper dans une main. Oh, comme ça, Gigi? C'est bon? Ben, c'est pas mal bon. OK, OK. Ça, c'est une première étape. C'est beau. Et hey, des fois, c'est de descendre un petit peu avec la balle. On amortit. Ça fait de l'exercice en même temps. On fait des squats, des fitness. Donc, ben là, c'est bien sûr qu'il fait pour le faire avec l'autre main. Et on va OK, OK. Donc, la même main, mais on change de côté. On change de côté, on change de main. Et on fait la même chose. OK, puis on n'oublie pas. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à terre. Mais juste un petit peu. Ensuite, on va passer d'une main à l'autre main. Donc, on va faire un lettre U par en bas. On lance dans les airs et on l'attrape dans l'autre main. Alors, on fait la lettre U, lance, attrape. Lance, attrape. Lance, attrape. Ça se passe bien à la maison? Vous comprenez? Ça va bien? Julie, est-ce que ça va bien à la maison? Oui, mais on n'a encore pas de commentaires, mais ça arrive. Parfait. Ben, écoutez, de toute façon, suivez les explications, ça va bien aller. On peut continuer avec quoi? C'est le... Ben, la prochaine étape, ça serait d'ajouter quelque chose parce que, bien sûr, on veut arriver à plusieurs balles. Donc, on va ajouter de taper les mains entre le lancer. Donc, on va faire notre lettre U, on tape des mains et on attrape de l'autre main. Hop! U, tape. Attrape. U, tape. Attrape. Wow, OK. Ensuite, si cela va très, très bien, on peut taper dans les mains deux fois. Là, c'est là qu'on va le voir. C'est là qu'on va. On va voir quelque chose. Et. Hop! Moi, ça m'aide tout le temps quand je fais des wow! Wow! Comme ça, c'est comme la jonglerie de ninja. Après ça, on peut se donner plusieurs défis. Donc, on lance et on peut essayer de taper en avant et en arrière et de l'attraper. Si on l'attrape à deux mains, c'est correct. C'est juste de lancer des défis, de faire quelque chose d'autre après notre lancer.
OK, on l'essaie. Oh! Puis on change de main, hein? Donc, oui, c'est pas toujours la main droite, là. Il faut aussi pratiquer la main gauche. Oh, yeah! C'est cardio, en plus. Wow! Trois tapes, je l'essaie, je l'essaie. OK. Ah, oh, c'est moi qui fallait l'attraper, c'est ça? Ben là, je pense qu'on serait prêt à ajouter quelque chose, vu qu'on a tapé dans les mains, puis on a fait plusieurs choses, et c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer une autre balle de bas. Une balle de bas de plus. Une balle de bas de plus. Donc, ça aide beaucoup si on a deux couleurs différentes. Moi, j'ai jaune et bleu. Moi, j'ai bleu puis orange. Pas du tout. Et on choisit une couleur. Donc, moi, je choisis jaune. Ça, c'est quoi déjà dans ta tête? Ça, c'était bleu. Bleu. Donc, toi, bleu, moi, jaune. On va toujours lancer la même couleur. Donc, on lance pas toujours la même main, mais on lance la même couleur. Donc, je vais lancer jaune et bleu. Ensuite, jaune et bleu. Jaune, bleu. Attrape, attrape. Jaune, bleu. Alors, on change tout le temps la main qui commence. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est qu'on lance un après l'autre. Donc, c'est jaune qui commence. Jaune, bleu. Jaune, bleu. Julie, pendant qu'il pratique, est-ce qu'on a du monde qui nous parle? Pas encore, mais on a 9 personnes qui écoutent avec nous. Oh! Ben, allô tout le monde! OK, quand on a fait ça, au moins une dizaine de fois, là, ça a échappé et on se sent habile, là, on se sent bon. Ça sent bon? Ben, c'est sûr que ça sent bon. On a fait des biscuits dans la cuisine chez nous. Alors, dit, c'est même pas des bossales. Non, c'est des bossales! C'est la première fois qu'on fait ça de la jonglerie de bas chez nous. Bien, Géronimo, est-ce que ça tente de nous montrer comment jongler à 3 balles? OK, parfait. Donc, là, ce qu'on a fait, en fait, là, c'est qu'on a commencé avec les 2 balles, le croisé, les couleurs 1, 2, attrape, attrape. Ce qui va être important maintenant, c'est avec la 3e balle, lorsqu'on l'a, on va mettre 2 balles dans une main. Idéalement, la main la plus forte pour commencer, juste pour qu'on s'habitue. Après ça, n'oubliez pas, on pratique aussi l'autre main. Donc, on peut commencer juste par un lancer pour changer de main, juste pour apprendre à attraper la 2e balle en ayant une balle dans la main. Donc, lancer, comme ça ici. Et là, on va faire, ça c'est 1. On va faire maintenant 1, 2, 3, puis on les rattrape. Donc, cette balle-là, les 2 balles vont se retrouver dans cette main, et puis cette balle-là dans cette main ici. Bon. 3, on rattrape. On arrête ça là. Si ça tombe, c'est pas grave. C'est des bas. Génial, c'est ça. OK, puis là, on commence avec la main gauche. Ou la main droite si on est gaucher. 1, 2, 3. Hop. 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 C'est ça. Hop, c'est parce que. Hop, c'est parce que c'est fini, là. 1, 2, 3. C'est comme le tadam, la jonglerie. On essaie 1, 2, 3, 4. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on l'a, on rajoute un numéro de plus. Si on va faire 5 lancers jusqu'à faire 10 lancers. Lorsqu'on fait 10 lancers, là, on est satisfait. Ben, ça va être rendu. Les autres qui vont zoomer chez les autres pour faire des spectacles. C'est bon, ça. On va attendre vos autres défis. OK, donc on l'essaie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis là, on essaie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On se retrouve avec 2 balles dans la main qu'on a commencé. Donc, il ne faut pas oublier de changer de main. Et puis, on fait la même chose. On change de main pour avoir 2 balles dans cette main-là. 1, 2, 3 et 4. Et on finit encore. Et voilà. Ceci dit, avec ces techniques-là, vous allez apprendre à jongler 3 balles facilement. N'ayez pas peur de revenir à la première étape. Oui, c'est sûr que si vous n'arrivez pas aujourd'hui, maintenant, tout de suite à faire vos 3 balles,
Mais c'est tout à fait normal. Ça prend longtemps à apprendre à jongler. C'est juste qu'on vous donne toutes les techniques aujourd'hui, qu'ensuite, ça va être plein de bas partout chez vous tellement que vous allez jongler. Puis en même temps, c'est bon pour les parents, tu sais, parce que ça plie les bas. Ben oui. Hein? Un petit conseil pour les parents. Faites votre lavage, mettez les bas dans le panier, puis dites aux jeunes de les ramasser, puis de faire des balles bas. Et voilà. Là, avant de commencer à la prochaine étape de notre atelier, en parlant de parents, on va revenir à Julie. Est-ce qu'on a des questions à date? Non, mais moi, j'ai une question pour vous autres. Oui! Julie, elle a une question. Quel d'autres objets est-ce que vous avez jonglé avec? Quels autres objets? Bien sûr, on a des vraies balles de jonglerie. Wow! C'est pas très différent des bas, c'est juste que c'est un petit peu plus lourd. Et quand on lance ça dans la maison, mais c'est un petit peu plus dangereux. C'est ça. Donc, on veut pas briser rien à la maison. Donc, le fait d'utiliser des bas, c'est parfait pour les ateliers puis pour apprendre à la maison. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est quand même coincé à la maison. Des fois, il fait un peu plus beau, on va aller pratiquer à l'extérieur, sauf que là, en majorité, on est à l'intérieur. Donc, les bas, c'est l'idéal. Après ça, on a aussi des anneaux. Que ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut faire les faire tourner en même temps. Puis, bien sûr, quand on est rendu avec ça, ben, on jongle n'importe quoi, la table de cuisine. Moi, j'ai jonglé Gigi l'autre jour. Donc, on peut jongler plein de choses. Donc, la prochaine chose qu'on voulait faire, c'est de peut-être jongler à plusieurs personnes. Donc, peut-être si on a des frères ou des sœurs à la maison. Ou maman, papa qui veulent venir jongler avec vous, ben il y a des choses qu'on peut faire à deux personnes. Deux personnes, puis on est deux. C'est parfait! Donc, je vous montre. Non, c'est pas ça. Faut pas lancer les bras. Ben, juste dans les airs, pas sur les petits frères, les petites sœurs. Non. Peut-être sur papa, maman. OK. Donc, okay, est-ce qu'on a besoin des 6 balles pour commencer? Non, hein? Non, c'est ça. On va garder 3. Seulement 3 balles. Balles bas. Donc, okay. La première chose qu'on va faire, c'est qu'une personne va avoir une balle, l'autre personne va avoir 2 balles, et on se met face à face. Donc, vous allez voir qu'on a une main de libre. C'est dans cette main-là que je vais lancer ma balle, puis moi, je vais lancer en croisée. Donc, la personne qui a 2 balles lance en croisé et la personne qui a une seule balle lance dans la main vide. Oui, bien, vous allez voir ça. Donc, la main ouverte de Géronimo, c'est la main qui est croisée. Hop! Hop! Donc, ici, on lance droite. Encore croisée. Donc, vous allez voir que chaque fois, hop, je lance en croisé, Géronimo lance droite. Il y a du suspense. Et après ça, bien sûr, quand c'est réussi, on fait une pause. Soit, tada! Oh yeah! On vise le coude et on fait une tape dans la main. Yeah. Un petit peu plus difficile. C'est la même chose face à face, mais on va enlever une main. Donc là, on va tout le temps lancer dans la même main, donc c'est tout le temps droit. Alors, c'est pas très différent que notre jonglerie à 3 balles parce qu'on va commencer avec 2 balles dans une main et je lance à Géronimo avant d'attraper. Lui, il lance sa balle vers moi. Ça aussi, c'est la finale, c'est de laisser tout tomber par terre. Bon, on les reprend. C'est sûr qu'après qu'on jongle avec, les bas sont moins propres. Hein. Ouais, c'est. Faut laver le plancher avant. Oh. Ouais, il y a lavage de plancher. En tout cas. Bon, on va se mettre un à côté de l'autre pour celui-là. Là, pas de chicane, là. Pas de chicane dans la cabane. Juste, on s'entraide.
Puis, on va faire la même chose que notre jonglerie à trois balles, mais maintenant, Jérôme, c'est ma main gauche et Gigi, c'est la main droite. Alors, la main qui est plus forte, qui est bien sûr Gigi, puis la main va lancer en premier. La main la plus habile, hey. La gauche, Jérôme. Donc, on remonte. Ça, c'est des bons défis, ça, ben oui. À faire. Puis si vous êtes plusieurs là, dans la maison, ben, lancez-vous ça des défis. Ah oh, là, moi, j'ai fait 6 lancés. Ah, oh, moi, j'en ai fait 7,5. Comment qu'on fait 7,5? On le sait pas. On le sait pas, mais on peut le savoir. Fait que si vous le découvrez, faut nous le dire, faut qu'on l'apprenne. 7,5. On sait pas c'est quoi. Ben, ça va être pas mal ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses à pratiquer là-dedans. Comme on a dit, c'est tout à fait normal qu'on passe pas par toutes les étapes dans une seule journée. Sinon, on serait tous des jongleurs professionnels. Oui. Faut pas oublier, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on pratique. Soyez patients, prenez le temps, lancez à la fois. De toute façon, si vous pouvez le faire en tout temps à la maison avec des mots, ça ne fait même pas de bruit sur le plancher. Ben, c'est ça. Puis, vous pouvez toujours nous écrire. Je pense que ma page artiste est partagée sur le lien où vous êtes maintenant sur Facebook. Donc, gênez-vous pas de nous écrire aussi après avec des questions si vous en avez à propos de la jonglerie. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous envoyer des petits détails, là, des fois pour corriger. Comment bien faire la technique. C'est ça. En plus, on a un prix de jonglerie à gagner, mais je pense qu'on va attendre à la fin du spectacle pour parler du prix. Jérôme, est-ce qu'on demande à Julie avant de passer à d'autres choses? Si on a des questions, Adam? Non, mais je crois qu'ils sont gênés à la maison. Mais là, si vous êtes gênés, là... Ils sont gênés! N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des fois ça peut être aussi juste parce que vous êtes impressionné à la maison. Mais c'est ça! Vous dites comme, ah, Jérôme, il est vraiment bon, il a un beau chapeau, puis en plus de tout ça, il est très élégant. Puis tu sais, vous voulez juste le mentionner, bien vous pouvez le dire que c'est ça, je suis cool. C'est vrai que c'est cool. Oh! Ben sinon, ça peut aussi être les petits emojis. Mais ça, quand il y en a une qui fait que c'est ça dans les mains. Ou sinon, les pouces dans les airs. Les pouces dans les airs, c'est fun. Donc, je pense que je serais prête à faire un numéro, moi aussi. Toi, tu voudrais faire un numéro? Oui, j'aimerais ça faire un numéro. Mais là, c'était mon numéro. Non, ben, tu viens de faire un numéro, c'est à mon tour, là. Est-ce que vous voulez un numéro Gigi? Jérôme? OK, non. Je pense qu'ils veulent vraiment un numéro de Gigi. Ben moi, il me semble qu'ils ont tous dit que c'est Gigi qui devrait faire ça. Un numéro. Tout le monde, là, les entend. Une musique spéciale? Ouais, j'aimerais ça, une musique spéciale! Test 1, 2, une petite seconde! Comme échauffer en ce moment-là. Come on!
C'est surtout que moi, je ne suis pas capable. C'est vrai, j'en ai juste 200 à la maison. C'est pas beaucoup pour quelqu'un qui n'en fait pas. Non, c'est mais... normal que tu ne savais pas. Ben oui. Et puis, à la maison, comment vous avez aimé ça? C'est intéressant. Hein? C'est beau, ça arrive de partout. La musique, le party. Est-ce que Julie est encore avec nous? Absolument, c'était incroyable.
Merci Julie, merci tout le monde. Est-ce qu'on a des amis qui ont des questions? Pas encore. Non. Ils sont vraiment timides. Mais c'est correct. Ben, moi, je pense que même si les amis posent pas de questions, ben, peut-être qu'ils ont quand même envie de bouger un petit peu à la maison et de danser avec nous. Oui, hein, parce que là, c'est ça, tu sais, là, on a fait de choses ici de notre côté, mais... on veut que ça soit participatif et interactif avec vous autres. C'est pour ça qu'on est là avec vous. On est live. Ça parle de notre talon à votre talon. Donc, j'aimerais pas montrer tout le monde une danse, mais je vais me piquer de ma danse parce que la dernière fois que... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pas du tout. Regardez. Moi, je sais danser. Attends. Moi aussi, je suis capable de faire celui-là. 3, 2, 1. Hein? C'était vrai, t'es capable de faire celui-là, mais c'est pas ça, la danse. Mais là, c'est ma danse. C'est moi qui l'ai inventé. Hein, c'est même pas toi qui l'as inventé. C'est Fortnite. Ah, ils m'ont copié. Ah. Ouais, parce que toi, c'était Fort Joe. C'est ça. C'est Fort Day. Yes, ça vient avant. Ouais. Avant Fort Day. Mais là, il y avait ça. Puis là, ça continuait comme ça. Ouais, ben, vous pouvez le faire à la maison aussi, ça, c'est l'échauffement. Il y avait celui-là aussi. Faut bien se réchauffer. Ouais, ben là, je pense que je suis réchauffée. J'étais quand même hâte de mon spectacle, de ma danse. Mais là, c'est. Ben, c'est parce que. Tu joues un rôle important, on a besoin d'une musique. Donc, avant de la mettre, les amis à la maison, on se lève debout, les parents aussi. Il y a peut-être aussi des grands-mamans, grands-papas à la maison. Un chat, un chien, ouais, un poisson. Un aussi, une tortue. Ben, levez-vous tout le monde. Celle-là, c'est sûr que vous la connaissez. 3, 2, 1. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, cause this is Africa. This time for Africa. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment. No hesitation. Today's your day. Feel it. Pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey. This time for Africa. Africa.
Avant de commencer pour faire play puis pas play. C'est pas play. C'est pas play. C'est pas play qu'il faut mettre quand on veut pas de musique. Là. C'est pas play. Bon. Puis, vous à la maison, est-ce que ça touché un peu? Julie, on a-tu des commentaires? Non, mais bouf, ça bouge! Ah oui, hein? Ben, Julie, est-ce que toi, t'as bougé avec nous un peu? Ah, oh, bien sûr, mais je suis fatiguée, là. Oh, c'est bon, c'est bien que t'as réussi avec l'annonce. Ben oui. Ben là, il me semble qu'on a un prix à donner pour la jonglerie. Oui. Donc, même si on est gêné à la maison, ben on va peut-être quand même vouloir participer pour gagner. On a 3 balles à vous envoyer avec notre concours. Et puis, c'est comment t'es par... Ou du Rix, qui nous envoie, et aussi Production Outdance et Castel Show. Donc, on vous... Jérôme, parle-nous un peu de Goût du Rix, pour que les amis sachent c'est quoi. Oui, bien c'est ça. Goût du Rix, c'est une compagnie québécoise qui est spécialisée dans les accessoires de cirque. Donc, si vous allez voir sur leur site internet, qui est goûtdurix.com, vous allez trouver une multitude d'accessoires de cirque. Tantôt, on a parlé, Julie, savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour jongler. Il y a beaucoup plus de choses encore dans les accessoires de cirque. Il y a tout ça par Internet et puis ils font la livraison présentement. Donc, c'est sécuritaire, c'est local et puis c'est éducatif. C'est vraiment cool! Puis en plus de ça, on apprend à jongler! Puis wow! Yeah! Et les balles de jonglerie, ça se fait pas dans la maison. Non, c'est ça, exactement. Les bas à l'intérieur, les balles de jonglerie à l'extérieur, c'est pas là, c'est là. Mais pour nous, c'est là. Là-bas. C'est là. Non. Ben, là-bas aussi. Donc, comment on fait pour gagner, pour participer, en fait, à notre concours? Ben, c'est de nous suivre sur notre page YouTube où on fait des mini-spectacles de 5 minutes d'ici, si vous avez envie de nous suivre un peu, de voir nos petits spectacles, c'est du cirque. Il y a nos amis monstres. D'ailleurs, il me semble qu'on avait un de nos amis qui était ici avec nous. On ne sait plus les coups, mais peut-être qu'il va revenir. Mais Alfalfa, on le voit sur... On voit Alfalfa, on voit d'autres amis aussi. On voit, c'est toute la famille, hein? Oui, son frère, Kazel. On voit le mononcle Léonard. Oui. Il y a mon nom aussi, l'ami, qu'on n'a pas vu encore. C'est parce que les amis, ils ne viennent pas encore à notre maison. C'est pas encore le temps. Peut-être qu'on peut l'avoir sur YouTube ou sur Zoom. Mais mon nom, on ne l'a pas vu encore. Mon nom est vraiment bon. Mais bon. Donc, pour participer, on se rend sur notre page YouTube. Qui est super facile à trouver. Donc, affiché dans le Facebook où vous voyez notre spectacle, c'est marqué Les Tourneaux et Trenka. Ben, c'est ça notre page de notre réseau YouTube. Les Tourneaux et Trenka. C'est facile. Donc, on a un vidéo. Donc, c'est vraiment juste vous autres qui vont le savoir. Ça s'appelle It's Christmas. Part 2. Il faut aller sur ce vidéo-là. On pèse le petit piton de pouce. Abonné. Puis en bas, on marque un commentaire. J'aime jongler. Puis là, on va choisir quelqu'un au hasard.
le gagnant est Geronimo! Ça va être comme ça, mais ça ne sera pas Geronimo. Peut-être, on ne sait pas. C'est ça. Puis on va les contacter. On va les contacter directement par, dans le fond, on aimerait ça peut-être vous pouvez marquer un courriel aussi dans le commentaire. Donc, j'aime jongler. Et puis, votre courriel, on va vous contacter par courriel. À partir de là, on va vous envoyer le prix. Et puis, et voilà, vous aurez trois balles à jongler pour pratiquer à la maison. C'est pas génial, ça! Hein? Il y a des stations! Ouais, ben ici, il y en a encore! Donc, Julie, est-ce qu'on a des questions à propos de ça? Non, malheureusement, mais je non, c'est quand même assez clair. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que les amis à la maison ne sont pas gênés. C'est qu'ils sont tellement intelligents qu'ils savent déjà. Ils savent déjà les réponses des questions qu'ils ont eues. C'est ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de les poser. Ils sont très, très intelligents. Ben, bravo. Mm-hmm. Dis-moi donc, Gigi, tu pourrais peut-être aller voir si... Oui, mais attends, on est un peu rendu à la fin. Les biscuits. Hey, il va tout manger, les biscuits. Ah non, La dernière fois, là, moi, je m'étais fait un beau gâteau. On est arrivé. Il y avait plein de il avait tout mangé. Puis là, mais on n'avait pas de biscuits, pas de gâteau. En tout cas, Alfalfa, es-tu là? Il n'est pas là du tout. Mais je... Oh, Alfalfa! Oh! Hey, you! Alfalfa! Hey! Le spectacle, il commence plus bientôt? Mais non, mais c'est ça que je voulais dire. Tu as raté tout le spectacle, Alfalfa. Non! Mais là, Gigi est arrivé, puis là, mais toi, là, t'es pas revenu, puis ben là, tu l'as manqué, le spectacle. Oh non! Ben, on peut-tu le refaire tout de suite? Non, pas tout de suite, malheureusement, elle ne parle pas. Il va falloir laisser aller les amis. Oh non! Mais oui, nous autres, c'est terminé. Mais, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Puis, ben là, ils pourront peut-être voir un spectacle. Ah oui! Ben, moi aussi, je suis sur le YouTube! Ben, c'est mon show! C'est vrai, t'es famous! Je suis famous sur YouTube! On va vous remercier, tout le monde. Merci beaucoup à Julie qui a été là avec nous tout le long. Merci, Julie! Puis encore une fois, merci au département des parcs et des loisirs de Côte-Saint-Luc. C'est vraiment super apprécié de nous laisser faire un spectacle pour vous parce que nous aussi, on est confinés, hein, puis on veut s'amuser, on veut avoir du plaisir. Ben oui! Ben, il me semble qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire à la maison. Ben, c'est ça, comme qu'on vous a montré, là, c'est pas ma faute, c'était pas là, j'avais des biscuits en arrière, puis en plus, je faisais mes dessins. Non, pas des biscuits, puis tu... Non. Bon, on va vous laisser aller, faut que j'aille régler la situation des biscuits, là. J'avais plus de biscuits. OK, au revoir, les amis, là, ça... Alfalfa! On dit au revoir aux amis. Au revoir, les amis! Hey! Bye! Bye! Salut! Pa, 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 pa.